Lottie est une fille riche et populaire. Cette robe en or coûte une fortune. Elle porte des bas asymétriques brillants sur les jambes. Elle a des sequins et des anneaux dorés dans les cheveux. Oh là là, il y a tellement d'or! On a fait de grosses boucles d'oreilles avec des éléments décoratifs. Lottie ne s'inquiète pas pour l'argent. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Chérie, je suis rentrée! Oh, j'y crois pas! Je suis tellement heureux! T'es bien installée? Laisse-moi mettre un oreiller sous ton dos. J'ai soif. Je reviens tout de suite. Prends cette bonne boisson. Merci, je veux me reposer maintenant. Bien sûr, quand on est enceinte, on a besoin de se reposer. Je vais y aller. C'est tellement adorable. Vide un panier. Mets-lui des roues. Couvre-le avec un couvercle en carton. Il est usé, mais il fonctionne. Il y a une poche sur le côté et une poignée. Ce chariot tient à peine debout. J'en ai marre de cette nourriture insipide. Oh là là, j'aimerais tellement des desserts. Ouais, je vais acheter quelque chose de bon. Oh, j'ai pas beaucoup d'argent. Bon, je vais trouver une solution. Qu'est-ce que t'aimerais? Tous les fruits sont bien mûrs et juteux. Waouh, c'est trop cher! Mais le goût en vaut la peine. Pourquoi pas des pastèques? Elles sont un peu abîmées, mais elles sont quand même bonnes. Je les prends! Passe une bonne journée! Le manche est installé. Il est encore mieux en doré. Le dîner est servi! Lottie se repose et joue sur sa tablette. Oups, elle est tombée. C'est vraiment pas pratique pour elle de se lever à cause de son ventre. Le majordome est là. Il va l'aider. Votre tablette, madame. Merci, Carl. Oh, autre chose est tombée. Lottie a trouvé un nouveau jeu. Tout faire tomber et sonner la cloche. Je vais faire du sport à mon majordome. Hihihi. J'adore les pastèques. Je pourrais la manger d'un coup. Oh, maintenant j'ai l'air enceinte. Hihi. J'ai besoin de nouveaux habits. Il y a une frange au bas de sa robe. Christy porte cette robe depuis un bon moment. Il y a des patchs partout et le tissu est sale. Mets des chaussettes. Oh, ce serait bien de les laver. Ces chaussures en ficelle sont vraiment usées à force de marcher avec. Enfin, mes pastèques! C'est trop bon! Oh oh, on dirait que j'ai trop mangé. C'est pas grave, tout ira mieux pendant la nuit. Christy s'allongea et s'endormit. Mais tout ne s'était pas passé comme prévu. Elle se réveilla avec un gros ventre. Pas étonnant, elle avait mangé 3 pastèques. Fais un donut en pâte à modeler. Mets-le au four. Génial, il est prêt. Sors-le. Recouvre-le de glaçage et garnis-le de paillettes. Ce dessert est parfait pour une riche lady. Lottie a des tas de liasses de billets. J'en ai marre de ce bazar. Oh, faut que je nettoie tout ça. La femme de ménage jeta alors l'argent et les bijoux dans la poubelle. Il fait chaud et j'ai faim en plus. Pendant que la bonne les vantait, le majordome apporta un plateau avec des desserts. Burk, je veux pas ça. Ouais. Madame, essayez avec un peu de ketchup. C'est pas mal. J'adore. Miam, miam, miam. Ouh, c'était délicieux. Elle est enfin agréable maintenant. Des strass scintillants feront guise d'ampoules et de boutons.
ajoute une boucle et découvre à quoi va servir cette lampe de poche. Docteur, je me sens pas bien. On va faire une échographie. Combien ça coûte? J'ai qu'une seule pièce. J'ai quelque chose. Il commença à passer sa lampe de poche sur son ventre. T'as quelque chose de rond en forme de pastèque dans le ventre. Oui, c'est ça, c'est une pastèque. Je ne vois rien d'autre. On va rétrécir ce ballon. Mets des paillettes dorées dedans. Et décore le ballon avec de la peinture, des paillettes et la phrase « garçon ou fille ». Quel suspense! Le mari était si heureux qu'il décida d'organiser une fête pour révéler le sexe du bébé. On va tout bien installer. Voilà, c'est prêt! Chérie, ne triche pas! Avance encore un peu, ouvre les yeux! Waouh! Quand est-ce que t'as eu le temps de préparer tout ça? Maintenant, c'est le moment d'éclater le ballon. Lottie ferma les yeux et… pop! Les confettis volaient partout dans la pièce. Un morceau de papier atterrit sur la table. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est une fille! Ça va être utile. Waouh, toutes ces couleurs! On adore le bleu. C'est presque fini. Ajoute du café et dessine un grain de café. Christy se réveilla à cause de son dos qui lui faisait mal. Oh là là, ce ventre est tellement lourd! Je dois trouver une solution. La serveuse du café du coin allait jeter un sac à café. Je peux t'aider? Mademoiselle, je peux prendre ce sac? Bien sûr! Christy le ramena chez elle. Elle renversa le fond du sac sur sa table. Cool! Je vais aussi pouvoir boire du café. Elle prit du foin sous son lit et fourra le sac avec. Allez, aide-moi, oreiller! C'était nickel! Et maintenant, elle était à l'aise. Dessine deux grands symboles de dollars sur du tissu et découpe-les. Remplis-les avec du rembourrage. C'est un oreiller parfait pour les femmes enceintes. Lottie n'arrive pas à dormir. C'est pas confortable d'être allongée sur le dos. Charlie! Oui, chérie, je suis là. J'arrive pas à bien me mettre avec ce gros ventre-là. Chut, pleure pas! Essuie tes larmes avec ça. Ah, l'argent peut vraiment résoudre tous les problèmes. C'est vrai? Carl? Oui, monsieur? Est-ce que Madame Lottie veut quelque chose? En effet, t'aurais un oreiller, tu sais, en forme de dollar? Je reviens tout de suite. Le majordome n'avait pas compris sa demande et apporta un sac rempli de vrais billets. On lui cria dessus, alors il repartit chercher autre chose. Wow. Parfait! Lottie serra son oreiller dans les bras et s'endormit. La canette de Pepsi a rétréci. Ajoute des légumes frais. Les protéines, c'est très important. Maintenant, la conserve est encore plus nutritive. Recouvre la boîte d'une étiquette et ferme-la. Christy n'arrête pas de se dire qu'elle est enceinte. Qu'est-ce que mangent les femmes enceintes? Sa liste de courses est presque finie. Il ne lui reste plus qu'un article. Une boîte de conserve! N'y pense même pas. Elle est à moi! T'as pas intérêt! Me dis pas ce que je dois faire! Christy s'empara de la conserve. Ouais! Oh, je vais devoir aller dans un autre magasin. Christy se mit immédiatement à la dévorer. Miam, c'est trop bon! Je pourrais tout manger d'un coup. T'as aimé notre vidéo? Lâche ton like! Abonne-toi à Lalilou et clique sur la cloche pour ne pas rater nos nouvelles vidéos.